Eleven Go, Chronostones, Brasier. Et salut tout le monde, c'est Imperial Monster. On se retrouve pour l'intro complètement épique que je vous préparais. Et d'ailleurs, je continue ma vidéo sur comment recruter Vulpine. Alors, qu'est-ce que je fous là? Oui, parce que j'ai joué un peu en off. Alors, il me semble qu'on était à l'époque de Soji Okita. Et je vous avais montré comment avoir le thème la boîte la plus rouge. C'est ça. Oui, je vous l'avais montré. Parce que quand j'ai arrêté la vidéo, oui, effectivement, j'étais encore là-bas. Donc, on va retourner à l'époque de Soji Okita. Alors, Royal Monster m'a parlé, et pour les Naginatas, je savais pas où c'était. Et je vous avais donné un maximum d'indications, parce que voilà, j'aime pas dire que je sais pas où c'est avant d'avoir un peu cherché. Et il se trouve que c'est à cette époque donc de Soji Okita que vous le trouverez dans un magasin ou n'importe où, enfin bon. Avec le son, c'est tout de suite mieux, enfin, selon moi. Donc on va parler à elle, là. Des aficionados du café, voilà. Et donc, Duke fait ça. Et il demande le thème animaux exotiques. Alors, animaux exotiques, on en aura beaucoup besoin. Du coup, je vous le fais maintenant. On va aller directement au transporteur. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Et donc, le thème animaux exotiques. Ouais. Au moment du séjour de David Evans. Alors, ne vous étonnez pas si je ne sais pas où sont certains thèmes, parce que au début du jeu, j'ai voulu collecter tous les thèmes pour pouvoir recruter plein de monde, tout ça, avoir des prouesses. Et en fait, du coup, j'ai pris plein de thèmes, et sauf que maintenant, je ne me souviens plus où sont certains. Alors, il me semble que Animaux Exotiques se trouve à cette époque, et vous parlez à quelqu'un dans l'hôpital. Voilà. Allez, danser. Non, c'est ridicule. Donc voilà, vous allez à l'hôpital, vous parlez un peu allemand. Puis au pire, si vous n'avez pas fini le jeu, vous pouvez commencer à collecter les thèmes. Ça vous sera sans doute plus utile. Et ce sera plus rapide. Donc, là, on a Duke. Du coup, on retourne à l'époque de Soji Okita. On va... Je préfère aller dans les quartiers sud, c'est plus rapide pour aller à la rive droite. Enfin, selon moi. C'est trop drôle, j'arrête pas de dire selon moi. Regardez comme le kimono, il va bien à Vulpine. Qui est juste là, la Vulpine. Donc, on va reparler à la dame des aficionados de café. Donc, on a Duc. Fauve, ensuite. Il demande Goupil. Oh, il y a Mandrill. Mandrill, ça me fait penser à Vendry. Désolé pour les gens qui s'appellent. Donc, on doit avoir l'ombrelle élégante. Je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Aspar, animaux exotiques. Animaux exotiques, je viens de vous le montrer. Donc, Aspar. Je vais vous montrer que Aspar. Du coup. Aspar. Vous allez là, période du Sengoku. Alors, je l'ai déjà recruté, mais je vais faire le défi rien pour vous, parce que je suis gentil. Et du coup, ça me permettra de vérifier que mes sources sont bonnes. Il était une fois un jeune garçon qui a une passion, le football. Bon, tu connais la suite de l'histoire, je suppose. Oui, c'est ce défi. Parce que Aspar se recrute par défi. Ah, du coup, je vais pouvoir vous montrer un peu la force de Vulpine. C'est juste pour vous montrer sa force. J'ai oublié de vous dire que quand il était avec sa Maximax, il avait le talent frappe +++. Non seulement ça, mais aussi il a le tir éruption solaire A, qui est extrêmement puissant. Vous allez voir.
Son esprit guerrier n'a pas de technique de tir, au cas où. Et c'est très puissant, ça tire à 1068. Parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai beaucoup amélioré. Et donc, vous faites plusieurs fois ce défi, ou si vous avez de la chance du premier coup, et vous aurez Aspar. Donc, ensuite on repart. On va au transporteur temporel. Et on va à l'époque du Bakamut, enfin bref, c'est pareil. Et vous allez encore au quartier sud, parce que selon moi, c'est plus court. Donc on arrive un peu du sujet des enfants sauvages parce qu'on traîne plutôt vers les aficionados du café. Et donc vous recrutez Goupil parce que vous avez déjà l'ombre à l'élégante et le thème animaux exotiques parce que du coup le demande aussi. Donc voilà, ça c'est fait. Et vous ensuite pain protecteur. On va faire que le pain protecteur parce que maintenant on a du Goupil et animaux exotiques, on l'a déjà. Demanderont beaucoup à l'animal exotique, c'est pourquoi je vous recommande vivement pour ceux qui n'ont pas fini le jeu de le prendre dès le début, ça vous évitera de chercher pendant 3 plombes. Dès que vous allez à la période du Tongana, l'époque de David Evans, vous y allez. Je sais pas si cette vidéo sera en 3 parties. Il est probable, parce que c'est quand même assez long. Et mine de, je peux pas poster des vidéos un peu. Trop longue, donc enfin si je peux, mais ce serait l'attente pour qu'elle soit postée, ce serait longue et j'aime pas faire attendre. Donc vous allez en ville, vous poursuivez votre chemin pour avoir la photo du pain protecteur, vous allez tout droit, c'est comme une autoroute, vous voyez ce que je veux dire. Bon, le pain... Non, ça, c'est pas le pain protecteur, je crois pas. Non. C'est soit là, soit au château. Au château, vous prenez une photo là, et vous aurez une photo. Je sais pas du tout. Donc, de toute façon, il y aura 2 photos à prendre à ces endroits, et il me semble que les 2 permettent de recruter. Donc, faites-le. Et là, vous aurez fauve. Si je ne m'abuse. Sauf qu'il m'arrive de m'abuser. Sauf que là, non, je pense pas. Vous allez au quartier du sud. Re au quartier du sud. Ah ! Eh ! Réponds ! Ah, écran. Donc. Vous regardez ces cartes, toujours. Et vous recrutez Fauve. C'était la dernière fois qu'on voyait les aficionados du café. Bon. C'était moi, hein. C'est riche en émotions. Les aficionados du café, on les verra plus. En tout cas, de la vidéo. Ouh, je sais pas, en fait, hein. Moi, je crois que tu les revois plus. Allez. Bon. Voilà, vallée des bêtes. Fin de la vallée, donc. On va beaucoup y aller, hein. J'adore ce genre de vie. La main sur le cœur et le cœur à l'ouvrage, la devise des cœurs de fauve, une bande de joueurs aussi généreux que puissants. Généreux, je sais pas, mais puissants, alors oui. Donc, Célène, elle demande ensuite Blue. Blue. Et il me semble savoir où est Blue. Donc là, maintenant, on va aller à la guerre de 100 ans.
bonne vieille France nous attend. Saut en poêle. J'ai toujours remarqué que les Japonais avaient une fascination pour la France et pour son histoire. C'est dingue. Parce que si vous avez joué à Inazuma Eleven 3, bon, peut-être que vous le savez pas, mais le nom des joueurs de l'équipe sont le nom de grands philosophes ou poètes français, ou écrivains d'ailleurs. Par exemple, Gaudin, Rousseau, Pérec, tout ça, Pialat. Non, Pialat, je crois pas. Pialat, c'est le seul. Et donc, voilà. Ouais, il a pris 3 quarts d'heure. Alors, Mystic, je vous le conseille parce que, au cas où, il apprend le talent collectionneur à un certain niveau, mais ça, on verra ça plus tard. Et pour ceux qui veulent recruter bêta, ce sera plus facile. Ensuite, il vous faudra Parfum enivrant, Digitat et le thème danse traditionnelle. J'aurai une ellipse pour danse traditionnelle. Désolé. Au pire, je regarderai. J'aurais peut-être dû aller à Chinon. Ça aurait été plus. Bon, je vais à Chinon, ce sera plus simple. Alors, Chinon, Orléans sont deux villes que je connais. Et donc, vous jouez contre eux. Non, mais. Ah, zut, caca. Ou leur parler. Faites le défi une fois, deux fois, trois fois, puis vous l'aurez. Je vous l'avais dit la dernière fois, nous les youtubeurs, on est en quelque sorte une espèce de grande famille, en tout cas selon moi, qui doivent se soutenir. C'est pourquoi j'ai pas voulu lire le nom du youtubeur l'autre fois. Et non pas. Et j'ai une vidéo, je sais ce que c'est, beaucoup de travail. Et donc s'il sait qui il est, je le soutiens pour qu'il ne fasse plus la même erreur et pour que du coup ça permette à ses abonnés et aux gens qui le regardent d'avoir bien du plaisir à le regarder. Donc vous allez à vos couleurs. Là, vous aurez parfum enivrant, mais je vous le dis, ne le faites pas qu'une fois. Si vous ne l'avez pas, faites-le plusieurs fois. Et vous l'aurez au bout d'un moment. On va peut-être speeder un peu, éviter les défis. Digitat. Donc. Digitat se recrute par défi. Je peux même re-regarder dans l'index pour vous. Monster Squad. Digitat, le voilà. Salut les amis, c'est Royal Monster. On vous apprend à recruter des joueurs là? On apprend à recruter Vulpine. Et c'est long. Et je confirme, hein, c'est très long. J'ai 14 minutes de vidéo. Qu'est-ce qui se passe si je mets pause? Ne mets pas pause. Je ne veux pas d'ellipse. Donc Digitat. Je vais pas enlever le son.
Non, c'est agréable. C'est un peu stressant. Oh, mais moi, ça me donne de la vie pour faire mes vidéos. C'est ce défi donc avec Digital, vous le faites plusieurs fois et vous l'aurez. Moi j'ai pas envie de le faire. Donc pour danse traditionnelle. Parce que je tiens pas à vous dire, pas spécialement à vous dire que je l'ai pas et que je me serais pas creusé la tête. Je vous le dis, jamais je ne dirai que je ne sais pas avant de m'être creusé la tête. Danse traditionnelle. Pour certains, apprendre à danser est bien plus difficile qu'apprendre à surfer. J'en ai dit que danse traditionnelle est à Okinawa. Donc parlez à des personnes à Okinawa et vous aurez normalement danse traditionnelle. Selon moi. Et au pire, si c'est pas le cas, regardez sur internet, si ça se trouve, ils vous le diront. Bon, on a recruté Blue. Donc, on va retourner au transporteur temporel. Et là, on va recruter. Et là, on va avoir Selene. Là, la carte. Vallée des bêtes. Je vous ferai une ellipse au moment d'aller trouver l'autre joueur, le dernier. Je vous dirai juste parce que le temps va paraître long et moi, je peux pas faire des vidéos trop longues. Selene, donc vous l'avez. Et vous et ensuite, Vulpine demande Ermite. Alors, je vous mets en ellipse juste le temps que je trouve Ermite. Ellipse. Re tout le monde. Bon, vous allez au nord de la Grande Plaine, sur le petit promontoire, et vous parlez à lui, là. Gwag, salut, vous voulez rencontrer les membres de la communauté des crocs sauvages? Vous aurez compris qu'il demande des crocs. Ermite. Oui, oui. Non, en fait, le pas protecteur est effectivement au château, comme je vous l'avais montré. Et il faut les crocs simples, Snowdon et le soleil-soleil. Le soleil-soleil, je vous le remontrerai, au cas où. Et donc, vous allez chercher les crocs simples. Vous allez chez Sœur, parce que j'estime que c'est plus rapide. Et vous faites ce défi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, jusqu'à ce que ça rentre. Et que vous ayez les crocs simples. Le croc simple. Donc vous descendez. Et ensuite, vous faites ce défi, il me semble, et vous recruterez Snowdon. Je peux même revérifier pour vous. Ah oui, parce que je me souviens de tête de la carte d'Ermite. Donc, Ermite, croc simple, Snowdon, soleil-soleil. Donc, Snowdon, info, index. Je sais qu'il me semble qu'on le recrute par défi. Donc, c'est à la fin. Snowdon, oui, défi.
Donc vous recrutez là. Et ensuite, vous partez à cette époque. Alors je suppose que ça vous embête aussi que je sache pas où sont tous les items. Mais j'essaie de faire mon maximum pour que vous réussissiez quand même à les trouver, même si je sais plus où ils sont. Et du coup, je vais essayer de vous aider en regardant un peu ce qu'ils disent sur cet item. Et j'en déduis. Parce que j'ai un grand esprit de déduction. Le soleil se lève, vous prenez la photo ici. Et vous recrutez Ermite. Ermite, je le rappelle, nord de la Grande Plaine. Ensuite, vous allez là. Ah zut. Vallée des Bêtes. Et vous allez lui parler. Donc une fois que vous aurez recruté Ermite, vous recruterez Wolfram Vulpine. Et une autre fois pour un nouveau tuto. Et j'espère que ce prochain tuto sera quand même mieux. Et on retourne dans le présent et on va tous le dire ensemble. 3. On retourne dans le présent. Saut temporel. Et donc je vous dis au revoir et à la prochaine à tous. C'était une farce, je rigole. J'avais mis en ellipse. Je suis très... je vous dis au revoir. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. À la partager si ça vous a tant plu que ça. Vous abonner. Patati, patata. Un énorme monster salut. Un monster... une monster bise, on va dire. Ça va être bien. Parce qu'un monster bison, ça fait chelou. Ah, ça rime. Mais bon, on va pas trop s'attarder. Et je vous dis merci et à la prochaine !